Ce qui nous amène un peu à aujourd'hui, qui est, on pourrait dire, la dernière étape en cours, le dernier jalon de l'espèce d'épilogue burlesque que l'ULB avait sous la pédale, comme on disait Exactement. quelque part. Et donc, ouais, pardon de te couper, mais comme ça, j'oublie pas et après Vas-y, je te vas-y. laisse me cuisiner. Et donc, j'avais mis deux choses en avant qui m'inquiétaient très fort. La troisième, enfin, qui m'inquiète, c'est le silence de tout ce que cette université compte d'autoproclamer subversif, de penseurs de gauche. Je vais être dur, je pense à des gens comme Matteo Alalouf, je pense à des gens comme Isabelle Stengers, qui ont eu piscine. C'est pas la première fois qu'ils ont piscine. Alors, moi, je suis très dur et très sévère par rapport à des gens, et je le suis d'autant plus que j'ai une estime pour leur production intellectuelle, mais je suis déçu de voir des gens comme Mathéo ou Isabelle, pour laquelle j'ai vraiment une profonde estime pour le travail intellectuel, avoir piscine lorsque les sans-papiers occupent l'ULB, avoir piscine lorsque les choses se passent dans leur champ à eux, là où ils peuvent se mettre en danger. Alors là, ils ont piscine. Alors c'est beau de regarder la société et de s'ériger en donneur de leçons, mais il y a comme une contradiction. Parce que quand ça se joue à l'université, il n'y a personne. Peut-être que c'est aussi une usure qu'ils ont de bâillonnage successif. Stengers, je sais par exemple qu'elle est coutumière d'une forme de répression par l'écartement depuis au moins une dizaine d'années maintenant. Elle a eu un cours il n'y a pas très longtemps qui a été interrompu par les Securitas, sous prétexte que les étudiants n'avaient pas le dress code pour l'inauguration de l'auditoire. Ok, Donc il y a quelque chose comme une usure chez elle. alors peut-être qu'il y a quelque chose, je peux entendre qu'il y a une usure, en tout cas c'est pas comme ça qu'elle me l'a motivée, mais bon, elle n'est pas là donc je ne vais pas entrer en débat avec elle par voix. Admettons qu'il y ait une usure individuelle. Alors il faut contester une usure bien plus grande, c'est celle du collectif. Où sont les sans-valeurs? Les sans-valeurs s'étaient mobilisés pour dénoncer la censure de Tariq Ramadan. C'était donc un événement qui avait fait plus de bruit encore, ou qui aurait pu, ou qui a fait tout autant de bruit, qui a d'une part opposé les autorités universitaires aux amoureux du libre débat et de la confrontation d'idées. Où sont tous ces gens? Je veux dire qu'une université, il n'y ait pas eu un seul membre du corps académique, à l'exception notable de Jean-Jacques Jaspers. Il y a aussi des assistants Bien qui ont sûr, mais rédigé. je précise, rien de professeur de l'ULB, parce que dans le climat délétère qui est celui de l'université aujourd'hui, où la peur suinte des couloirs, on ne peut pas demander à des chercheurs ou à des assistants de prendre position dans le débat public et de se positionner. Pourtant, ce sont les seuls qui l'ont fait. Bien sûr, et pourtant, quand on voit ce qui m'est arrivé, on peut comprendre qu'il ne l'ait pas fait. Et moi, j'ai des tas de collègues qui m'ont dit, soit ils ne peuvent pas, et je les comprends. C'est vrai, ils ne pouvaient pas. Par contre, il y a dans cette université des professeurs qui, à moins de violer un étudiant, ne risquent strictement rien. Où sont-ils? Que font-ils? Alors, ils peuvent être fatigués, je l'entends bien, mais le tempo est grave, je veux dire. On est en train de détricoter au sein de cette université tout ce qui est porteur de subversion, de remise en question, à un moment dans l'histoire où plus que jamais, les intellectuels ont leur rôle à jouer en tant que fabricants d'armes intellectuelles, c'est-à-dire du fait simplement pas qu'ils soient plus intelligents que d'autres, mais du fait de leur travail quotidien de déconstruction du discours dominant. On fait le signe qu'il faut arrêter, oui. Ma conclusion est la suivante. L'université est en crise, elle n'est pas simplement en crise, elle est en crise depuis 2006. Ce n'est pas innocent d'ailleurs, 2006, qui est le début des crises financières. Donc l'université est en crise à l'image de l'université. Ses structures démocratiques sont en crise. Alors on le voit bien, on a un recteur qui vient d'être élu, dit-il, à 85% des voix, je crois, mais 85% d'un peu plus de 50% de participants. Ça fait grosso modo une voix sur deux, donc même la démocratie participative universitaire est en crise. Ça veut dire en gros qu'il y a un académique sur deux dans cette université qui n'y croit plus. Et il suffit de se balader dans les couloirs et d'interviewer les employés de cette université pour s'en rendre compte. L'université est en crise parce que non seulement la parole est muselée, mais
la société, pardon, dans la société, non seulement elle est muselée, mais elle est également réprimée. On vient de le voir avec la manifestation, les différentes manifestations qui ont été violemment réprimées. Il y a une attaque prochaine avec une réduction quand même de 20 à 25% sur les allocations de chômage. Donc on a vraiment tout un dispositif de censure qui est en train de se mettre en place. La police organise la censure de la rue. Nous avons ici un recteur qui organise la censure de la pensée. Alors, si la pensée est censurée et si l'action politique, dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire l'action physique, c'est-à-dire l'expression corporelle du simple corps, de dire « je ne suis pas d'accord », et si et la pensée et le corps, si les deux sont censurés, il est temps de se réveiller avant d'être totalement anesthésié. Aujourd'hui, nous sommes censurés. Demain, nous risquons l'anesthésie si nous ne nous réveillons pas. Je crois aussi qu'il y a quelque chose à souligner, c'est la nullité absolue académique des intervenants de cette conférence. Oui. C'est ahurissant de voir à quel point ils sont plus nulle part. Et moi, quelque chose m'avait touché, c'était quand même... Quelques-uns des assistants de l'ULB ont publié une carte blanche en disant que le problème n'était pas tellement ce qu'il t'arrivait en termes de répression, mais était justement cette nullité crasse de ces porte-paroles académiques, de ces phares de l'université. Ce que Askin n'a plus publié ou n'a plus publié depuis au moins 10 ans. Quoi. C'est-à-dire qu'à l'image, on a une université qui ne forme plus des intellectuels mais des experts. C'est-à-dire qu'on apprend à des générations d'étudiants non plus à poser des questions mais à répondre dans un paradigme donné, avec la rigueur voulue, à une question posée. Donc on est en train de fabriquer des experts, plus d'intellectuels, alors des gens comme Deluit qui vont vous commenter les élections un peu comme on commente un match de football par exemple, ou qui peuvent vous faire l'ensemble de l'historique de la construction européenne sans jamais être capable de la mettre en perspective. Alors oui, la pensée se meurt, la technique s'impose à l'université et nous avons aussi des techniciens de la pensée. Je reviens sur Archer dont j'aimais bien, qui avait été qualifié tout à l'heure, je rigolais en disant que la Libre l'avait qualifié de suceur de bite sioniste, mais plus sérieusement, la Libre l'avait aussi qualifié de technicien de la philosophie. Et je trouvais cette qualification extrêmement juste. Nous n'avons plus de philosophes, mais des techniciens de la philosophie. Une sorte de scolastique. Mais il y a, la société n'est plus pensée. Alors, que quelqu'un comme Caroline Fourest, dont et le racisme, mais également les manquements à la méthodologie scientifique la plus triviale sont dénoncés. Il y a d'ailleurs un bouquin qui venait de sortir de Pascal Boniface qui s'appelle Les intellectuels menteurs. Les intellectuels faussaires. Les intellectuels faussaires. Quand on voit qu'une pseudo-intellectuelle comme Caroline Fourest est invitée en grande pompe par le gratin de l'université, on peut effectivement se poser des questions. Mais c'est simplement peut-être que l'université est devenue ce qu'elle avait vocation à être, c'est-à-dire participer de la reproduction du système. Et donc nous avons des porte-paroles de cette université qui sont des sortes de théologiens de l'ordre établi. Et quelqu'un comme Archer, même si ses énoncés sont plats, et pour moi participe de la doxa la plus abrutissante, quelqu'un comme Archer n'est pas bête. En tant que doxosophe, en tant qu'idéologue, il est efficace. Et donc nous avons une université qui est efficace en termes de reproduction, de maintien de la société. À nous de nous battre pour qu'elle gagne la même, qu'elle ait la même efficacité dans la critique sociale. Et effectivement, l'université n'est plus un espace de critique sociale. Quand tu vois que quelqu'un comme Stengers, si Stengers est fatigué dans cette université, alors que son statut d'héritière, elle est enfant de recteur, ce qui la protège un petit peu, si même elle n'a pas pu trouver sa place en tant que penseuse dans cette université, avec tout le talent qui est le sien, donc c'est une héritière, mais avec un talent et une acuité intellectuelle incontestable, si même quelqu'un comme Isabelle ne trouve pas sa place ici, alors plus personne ne l'aura en tant que personne critique, plus personne. Et certainement pas les jeunes chercheurs qui montent dans un contexte de précarisation du travail intellectuel.
C'est une très bonne conclusion, je trouve. Merci.